Dans une brillante intervention télévisée, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a définitivement levé le mystère sur le sort de l'ancien président Roch Christian Marc Kaboré, chassé récemment du pouvoir. L'ancien président du Burkina Faso est accusé pour haute trahison. Il a plusieurs fois fait l'objet des critiques à l'échelle nationale et sous-régionale pour sa soumission à l'impérialisme français. Faso. Au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Une décision prise dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale, son redressement et sa souveraineté. Le MPSR tient à souligner que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées qui sont détenus dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité. Le MPSR rassure également les partenaires et amis du Burkina Faso quant à la ferme volonté de notre pays de continuer à respecter ses engagements internationaux, notamment en matière des droits de l'homme, et s'engage à proposer dans un délai raisonnable, après consultation des forces vives de la nation, un calendrier de retour à un ordre constitutionnel accepté de tous, tout en invitant les populations à vaquer sereinement à leurs occupations. Le MPSR appelle les patriotes, les Africains intègres et tous les amis du Burkina Faso à le soutenir et à l'accompagner en ce tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les événements d'aujourd'hui annoncent en effet une ère nouvelle pour le Burkina Faso. Ils sont une opportunité pour tout le peuple burkinabé de panser ses plaies, de reconstruire sa cohésion et de célébrer ce qui a toujours fait notre identité, à savoir l'intégrité. Vive le Burkina Faso! Que Dieu bénisse notre nation. Ouagadougou, le 24 janvier 2022. La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays serait un point non négligeable dans cette volonté manifeste du peuple d'en finir avec un pouvoir vassal à la solde de l'impérialisme français et incapable de protéger les frontières face à la montée des groupes terroristes armée soutenue par des puissances occidentales qui veulent s'accaparer des ressources naturelles du Burkina Faso. Roch Christian Marc Kaboré est un traître à la nation, du peuple intègre. La jeunesse africaine qui aspire à un changement de gouvernance doit apporter son soutien au régime panafricain qui lutte contre le nazisme de la France en Afrique.